Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur Ne mange pas un snack à 5h du matin. On a fait ne pas boire à 3h, ne pas manger à 4h, et là on refait ne pas manger à 5h. Aïe, j'adore ces jeux comme ça, il y en a plein sur Roblox. Bref, donc je rappelle, ce genre de jeux sont totalement what the fuck, et le seul but est simplement de trouver toutes les fins du jeu. Du coup voilà, rien de plus spécial à dire pour le coup. Bon, si vous avez vu les autres... Vous avez vu un petit peu de quoi il s'agit. Bon, le premier épisode a été fait il y a plus d'un an, donc il est complètement éclaté, mais la partie 2 que j'ai fait il y a pas longtemps est déjà un petit peu mieux. Bienvenue. C'est moi, ta conscience. Normalement, tu ne peux pas entendre... Ah, ça part trop, j'ai pas le temps de traduire. Mais c'est important... Tu t'es réveillé, ouais. J'adore la musique en fond, je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien. Ouais, donc il me dit qu'encore une fois, tu te réveilles en pleine nuit, tu as faim et tu dois aller manger. Et comme d'habitude, il va nous arriver plein de mésaventures. Oh, l'effet de flou dégueulasse. Ok, déjà je vois Baldi sur le mur, je sais pas ce qu'il fait là, mais très bien. Ouais, donc je rappelle, il s'amuse toujours à mettre un milliard d'images même sur les murs. Donc là, on a Sonic bizarre. Là, on a Baldi. Là, il y a Metroid Prime. Ça, je sais pas trop ce que c'est là-haut. Putain, j'ai baissé un peu mon son, voilà, d'un cran. Là, il y a Bob l'éponge, ok. Et là, il y a Mario en version dégueulasse. Donc, du coup, eh ben, on est parti. Il y a un petit Yoshi là, j'avais pas eu. Alors, du coup. How to play, nania, objectif manger. Tu peux interagir. Ouais, ok. Ok, donc visiblement, il y a beaucoup de faim. Je peux allumer ou éteindre la lumière, très bien. Là, il y a une espèce d'ampoule qui clignote. Alors, 9 fails and 6 indig. Statue collection. Ok, très bien. Bah, il y a un placard là. Oh là, je suis rentré dans le placard, il y a un bruit de FNAF. Ok, il fait sombre. Ok. Voilà, il y a du temps. Il y a un t-shirt par terre. Ok, il y a un piano. Bon, pour l'instant, j'ai visité la chambre. Il n'y a rien de spécial à part le placard. Mais pour l'instant, je peux rien faire avec. Oh, il y a Sonic. Oh, quand t'appuies, ça tourne. Sympa. Pourquoi est-ce qu'il y a des brosses à dents ici? C'est une bonne question. C'est quoi cette tête? Oh, il y a Doodle Jump. Ça, j'ai plus le ref, mais je crois que je connais. Là, il y a des plantes qui sont tombées. Ok. Voici la salle de bain. C'est même aussi. Déjà, il y a encore une fois un Among Us. Il y a les beaux ombres de Mario. Là, il y a un dessin dégueulasse. Magic Trash Can, ok. Warning, no spell wake up. Ouais, bon, pour l'instant, je vois rien de spécial. Juste, pourquoi est-ce qu'il y a une échelle en plein milieu? La grosse truc d'Among Us. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il y a une échelle, là? Okay. On peut manger le dentifrice parce que il y avait dans le premier on pouvait le manger le dentifrice. Hein. Oh, fail, Colgate. Ouais, ok. Bon, on a fait une fin déjà, c'est pas mal. Bon, ça on la connaissait parce que dans la première version du jeu, enfin c'est pas le même développeur, mais c'est fortement inspiré. Il y avait déjà le coup du dentifrice, donc ça on connaissait déjà. Par contre, c'est pas affiché sur statut collection. Ok, j'ai fait réinitialiser le personnage, ça fait une nouvelle fin. Et ouais, mais le problème c'est que je sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Les indigues ne s'affichent pas. Ah, ça y est, ça s'affiche ici, en fait, c'est pour ça. J'ai trouvé où est-ce que ça s'affichait. En fait, ça s'affiche pas sur l'étagère, ça s'affiche ici. Les statues, ça doit être autre chose. Bon, du coup, on a déjà fait deux fins. C'est pas mal. Par contre, le fondu, là, il me fait chier parce qu'il est dégueulasse. Là, il y a un salamèche. Non, c'est pas un salamèche. Si, c'est un salamèche ou un trac au feu, j'arrive pas à voir de là. Go away, ok, je peux sortir. Ça, c'est pas Astérix, ça, la BD, là. Là, il y a Bob l'éponge. Là, il y a le roi de Shrek.
Ok, j'ai récupéré ça. Là, il y a le téléphone. Wesh. Meurs. Ok, visiblement, fallait pas réveiller la sœur. D'accord. Bon, de toute façon, déjà, il y a des personnages dans ces jeux, faut jamais réveiller les gens, parce que ce soit le père, la mère, la sœur ou quoi que ce soit, ils te tuent quand ils se réveillent. Et je me demande ce que c'est, la tasse, là. Pour l'instant, on va faire la classique. On va faire toutes les fins qui sont très simples. Généralement, ce sont des fails. Et après, on verra bien. Attends, il y a Among Us en mode Ninjago, ça n'a aucun sens. Ouais, parce que visiblement, les posters changent à chaque fois. Sorry, bro. Ok. Ça n'a aucun sens. Ok, bon, visiblement, la sœur, faut pas la réveiller déjà. On va fouiller un petit peu sa chambre. Water, glass, pick-up. Je peux pas lui prendre l'hôtel. Déjà, qu'est-ce qui se passe si je bois l'eau, là? Ok, je peux pas boire la flotte. Si, ça y est, je peux boire la flotte. Eh ben, il s'est rien passé. J'ai bu de l'eau, mais il s'est rien passé. Là, il y a Sonic, ok. Là, il y a un bloc Sicola renversé. Donc là, j'ai encore réveillé la sœur, mais cette fois-ci d'une autre manière. Est-ce que ça va être une autre fin? Elle va me buter ou pas? Waouh! Oula! Mode cinéma! Ok. Ah. J'ai rien compris. Ce genre de jeu, franchement, là, c'est n'importe quoi. Ok, ben je suis mort de je sais pas quoi. Visiblement, elle a fait une incantation, j'ai rien compris, elle m'a tué avec sa main. Bah, du coup, ça nous fait encore une fin de plus. Dis donc, ça nous fait pas mal de fins, même pas 5 minutes là. Ça nous fait déjà 4 fins quand même. Bon. Du coup, ça c'était la salle de bain, ça c'était la chambre de la sœur, ça c'est ma chambre. Ici, il y a une porte. Ok, bon là, il y a le père. Donc, je suppose qu'on va avoir la même style de fin si je réveille le père déjà. Donc lui il va me buter. No. Voilà. Il y a du pognon sous le lit, je viens de voir qu'il y avait des trucs. Ça nous fait une fin de plus. Bon, visiblement en haut, ce sera tout où on va mourir. Ouais, donc en fait, visiblement, les statues, c'est là où on réussit. Et ça, c'est là ce qu'on perd, je pense. Je pense que ça se passe comme ça. Il y a des trophées pour les deux types de fins. À mon goût. C'est un placard. C'est l'ocade. Ok, donc visiblement, il faut trouver bah, une clé. Bah, je vais retourner dans la chambre du père déjà, on va voir est-ce qu'il y a quelque chose. Bon, visiblement, là, il a défoncé la fenêtre. J'ai récupéré. Oh, c'est Zelda. Bah, il faudrait le mettre, je pense, dans une console, mais j'ai pas la console. Unfinished room, the rest of the game, take this. Ok. Je vais pas avoir qu'un truc, non, dans l'inventaire, je crois. Inventory full. Il y a du coup le caïd là. C'est le truc qu'il y avait dans le dernier épisode là. Déjà, je voulais voir ce que ça faisait si j'allais dans la chambre du père qui se. Attends, déjà, qu'est-ce qui se passe si je mange les chips là que j'ai vu? Ouais, déjà. Voilà, déjà, qu'est-ce qui se passe si je mange les chips? Retourne au lit. C'est quoi le tableau là? Ah, c'est gros. Ok. Ah, je peux pas retourner au lit, wesh, ça marche pas. Tu m'as réveillé. Ah oui, c'est vrai, quand tu mangeais les chips, il y avait le père qui venait te frapper parce que tu l'avais réveillé parce que t'as mangé les chips. Ok, on a eu la fin avec les chips. Bon, normalement, il y avait une autre fin avec les chips dans l'autre truc où il fallait tout simplement les manger dehors. Parce que là, il les entendait pas. Bon, pour l'instant, c'est assez similaire au jeu original, à part la sœur qui n'était pas dans le jeu original. Attends, du coup, je vais récupérer déjà les chips qui sont ici et on va les manger dehors. La porte de sortie, c'est où? Je crois que ça doit être ici, je pense, la sortie. Déjà, ouais, qu'est-ce qui se passe si je les mange ici?
Voilà. Ok, maintenant je peux aller dormir et logiquement là déjà on a la fin, la classique, celle où on mange et qu'on va juste dormir. Et qu'on ne meurt pas au passage. Donc là en principe si je vais au lit, et j'ai une bonne faim là déjà. Ending, sleep. Ouais, bon ça c'est la fin classique. Ça, elle est dans tous les jeux comme ça. Bon, du coup, est-ce que ça nous fait... Eh oui, je vois qu'il y a un trophée. Bon, je vois rien parce que c'est tout flou. Alors déjà, ouais, j'ai la fin de fail. Ah, ça nous a fait deux fins différentes de la sœur. Quand elle nous tue normal et quand elle nous tue avec la main. Donc là, on a les chips. Ok, ben déjà, on est pas mal au niveau des fins là. On en a fait déjà beaucoup assez rapidement. Du coup, oui, dans la chambre du père. Derrière, là, j'avais vu tout à l'heure qu'il y avait des chips par terre. Que là, le dev, il a dit, j'ai pas fini la salle, mais il a dit, prends ça. Donc, du coup, je vais le manger. Je vais juste aller le manger peut-être dehors parce que j'ai peur qu'il me tue sinon. Parce que s'il m'entend le manger, je pense qu'il va me buter après. Je vais sortir du coup. Est-ce qu'on peut le manger ce truc? Non, je peux pas le manger. Alors peut-être qu'il faut que je cuisine avec parce que logiquement ça se met dans de l'eau. Brrr, ok. Gâteau Minecraft, ouais, Amogus. Wesh. Ah, c'était la lune. Ah, j'ai cru que c'était. Ok, j'ai rien dit. Ah, si, il faut le mettre là, mais il faut de la flotte. Est-ce qu'on a de l'eau dans le coin? Dans le frigo? Merde, je me suis fait tabasser par la porte du frigo. Ok, il y a une tête. Il est marqué ne pas boire. Je vais le boire parce que ça nous fera une fin de plus. Ah, il veut pas le boire. Par contre, ça fait l'eau de Minecraft au niveau du bruit, regarde. C'est le bruit de l'eau de Minecraft. Invalide item. Eh oui, mais je peux pas le boire, le lait. Oh, attends, je peux nourrir le chien. Ah non, c'est pas ça. Attends, il y avait écrit, je n'ai pas de chien, c'est ça? Ah, j'ai pas vu. Ah si, ça y est, j'ai réussi à boire le lait. Wesh. Wow. C'est la référence à un mème, mais je l'avais pas. Tu es intolérant au lactose. Ah, c'est sûr que si tu bois du lait alors que tu es intolérant au lactose, ça va mal se passer. Bon, bah, du coup, on a fait une fin de plus. Ok, une petite musique sympa. Bon, comme d'habitude, il y a des murs invisibles, on peut pas aller très loin. La boîte aux lettres, on peut pas interagir avec. Là, il y a une toute petite maison, qu'est-ce que c'est? Ok, je crois que c'est juste pour la déco parce que je peux pas y accéder. Là, il y a un truc vert là-bas, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une porte. Là, il y a une maison. On peut pas y accéder, c'est juste pour la déco. Ah, c'est le magasin, c'est un distributeur, d'accord. Mais c'est marrant, bah, d'habitude, il y a deux bâtiments, quoi. Il y a la maison, il y a le magasin. Cette fois-ci, il y a d'autres bâtiments, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est un joke prototype. Il n'y a rien, sérieusement. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ok, non, ça, c'est... On peut pas y accéder. Ok, donc en fait, c'est un prototype d'une maison, mais après, il l'a laissé parce qu'il a trouvé que c'était joli, quand même. Ok, bon, très bien. Le développeur nous fait des blagues. Ok, il n'y avait rien de spécial. Bon, le magasin, on va y aller après. S'il te plaît, signe avant d'entrer. Ouvert 24 heures. Est-ce que coping d'un window from GS4? C'est quoi ça? Ah, ça marche pas. J'ai pas de pièces. J'ai que des billets aussi. C'est pour ça que ça marche pas. Faudrait choper une pièce. Et là, on peut aller derrière le magasin. Là, il y a une porte, mais je peux pas l'ouvrir. Sentiment d'hipster. Oh, attends, il y a un truc caché là. Il y a Sonic qui est caché derrière cet arbre. Ah, ok, c'est encore une poubelle. Ok, là, il y a des tics. Là, il y a Tails cette fois-ci qui est caché. Là, il y a des travaux, on peut pas y aller, ok. Bon, pour l'instant, on va visiter la map, hein, on fait que ça. Hein. Bon, ben, je crois que finalement, en fait, il y a que deux bâtiments accessibles, puisque les deux autres bâtiments là-bas, on peut pas y aller en face. On est obligé d'aller que chez nous ou dans le magasin, en fait. Donc, du coup, bah, on va aller dans le magasin. Bonjour dans un store random.
Ok, ce n'est pas réel. Ah d'accord, l'orange juice n'est pas réel, très bien. Là, il y a 43. Ok, et déjà, il y a du café. Est-ce qu'on peut le boire, le café? Ok, faut peut-être le payer avant de le boire, c'est possible. Attends, je vais l'acheter au mec. Hi. Attends. The coffee coûte 1$. Est-ce que t'es vraiment sûr de l'acheter? Putain, 1$ le café, en vrai, ça va, hein. D'habitude, dans ce genre de jeu, ça coûte un bras. Ok, donc déjà, qu'est-ce qui se passe si je bois le café, du coup? Ah, j'arrive pas à le boire. Faut peut-être sortir. Attends. Pourrais-tu le boire, s'il te plaît? Voilà, ça y est, je bois le café. Tu ne peux pas aller dormir car le café t'empêche de dormir. Ah oui, c'est vrai. Ça écrit tellement que ça ne s'affiche pas sur le truc. C'est trop simple. Mais en fait, le jeu il m'empêche de bouger. Je peux plus bouger, en fait. Le jeu a bugué, je crois. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais je peux plus bouger. Ah non, c'est bon, en fait, c'est juste que c'était très long. Fail, caféine. Ouais, donc du coup, en fait, je peux pas aller dormir vu que j'ai bu du café. Ce qui est normal. Bon, cette fois-ci, je vais récupérer le café, mais je vais sortir sans payer, parce que dans les deux autres vidéos, quand je sortais sans payer, il y avait une fin... il y avait une fin qui faisait que le vendeur te cassait la gueule parce que t'avais pas payé. Donc du coup, je vais faire ça, parce que cette fin, c'est obligatoire qu'elle y ait, elle est aussi dans tous les trucs. Voilà, la fin où je pars sans payer, comme d'habitude. Évidemment, le mec, il est pas content, il veut m'éclater. J'ai vraiment cru que tu allais voler le store. Je suis désolé d'apprendre ça, mais ça va mal se passer. Voilà, il m'a buté. Oh, attends, je peux aller monter de l'autre côté, là. Il y a des trophées, là-haut. Bah, tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le break du mec. Parce que normalement, quand c'est la fin du compteur, le mec, il prend sa pause. Et donc, je pense qu'il va se passer quelque chose. Du coup, je vais simplement attendre la fin du chrono, là. 5 minutes later. Ok, bon, alors, ça va être enfin la fin du compteur. Ça fait super longtemps que j'attends. En vrai, 300 secondes, c'est long à attendre. Bref, du coup, ça y est, on y est. Ok, donc normalement, il est censé se barrer, là. Lol. Quoi? Attends, me dis pas que j'ai attendu pour rien, par contre. Je peux toujours pas ouvrir la porte, au passage? Ouais, ça coûte 15$, mais je peux pas le boire. Non, mais par contre, il se fout de ma gueule, j'ai vraiment attendu tout ce temps pour rien. Bon, après, il y a ça, mais ça, je peux toujours pas... Parce qu'en fait, il faudrait que je mette une pièce dedans, mais j'ai pas de pièce. Oh! On va faire la fin, au moins on reste debout toute la nuit, puisqu'il va faire jour. Bon, logiquement, je pense que c'est à 8h que ça compte la fin, là, comme quoi j'ai su rester éveillé toute la nuit, ou alors c'est 9h, ça dépend. Eh, le bruit de FNAF, comme dans la première version. Bon, on aura fait au moins la fin où il fallait attendre toute la nuit, l'insomnie. Bon, c'est pas la fin que je voulais faire, mais au moins on l'a faite, celle-là. On l'avait fait, le truc où il fallait boire de l'eau, j'ai totalement zappé. Ah mais attends, mais je sais ce qu'on doit faire avec la flotte. Et oui, il fallait le mettre dans la cuisine, ça y est, j'ai trouvé la flotte pour le truc là-bas. Et là, il y a Grou sur le truc. Et là, il y a un Pikmin. Un Pikmin avec le visage de Knuckles, ça n'a aucun sens. Ok, donc j'ai bu le truc. Objectif, retourner dormir. Très bien, et ben je vais aller dormir. On va voir ce que ça va faire. Le lit, il est là. Il y a mon gosse qui twerk. Ok. Et du coup, ça va faire quoi comme fin? Parce que logiquement, c'est aussi la fin où juste tu sleep, en fait. What the f... Oh, c'est le mec bizarre qui nous avait, qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Cool Kaïd. Enfin, c'est Cool Aïd. Je sais pas pourquoi je dis Cool Kaïd à chaque fois. Ok, bon, ben, ça fait une fin de plus. Elle est bizarre, mais bon, c'est normal. Bon, Oh, un briquet. Un briquet Minecraft, même. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire cramer? Parce que vu que j'ai un...
Briquet. Ah merde, je l'ai pas payé. Zut, du coup il va me tuer parce que j'ai pas payé. 6 and a half hours later. Il coûte 30 dollars. Oh, à 1 dollar près. Bon, du coup, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Ah, je sais ce qu'on peut faire. Dans ma chambre, là, il fallait de la lumière parce qu'il disait que quand je rentrais dans le placard, faisait trop sombre. Et ben maintenant que j'ai de la lumière. Eh oui, maintenant j'ai accès au placard. Alors, il y a la petite peluche Foxy. Il y a un coffre Minecraft, mais ça me dit inventory full. Ok, du coup, j'avais pu allumer la bougie. Vous avez trouvé une clé. Ah ah, je pense que c'est la clé du placard qu'il y a dans le salon. Et on va savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette porte. Ok. Emergency Network Recherche Aide. Faut pas appeler les urgences sans ring. Hein. Décrire votre situation. Mais en fait, le mec, il appelle les urgences, sauf qu'il n'y a pas besoin. Donc, du coup, on va se faire dégommer, en fait. Il y a un hélicoptère, je l'entends. Oh, si, il y a un truc qui est apparu, là. Pizza, take. Ah, ok, il a commandé une pizza. C'était ça, l'urgence. J'ai pensé, moi, les urgences, urgences. J'avais pas compris la fin. Ok, donc, en fait, c'est fait livrer une pizza en pleine nuit. Ok, ben on aura fait une fin de plus. Et du coup, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. On va faire le point. Ok, donc j'ai eu la fin delivery. Carlos avec un flingue, qu'est-ce que c'est ça? Et là, j'ai trouvé la Nintendo et je viens de me rendre compte que tout à l'heure, il y avait la cartouche de jeu dans la chambre du père. On savait pas quoi en faire. Je pense qu'il faut la mettre ici. Là, je vais te piquer la cartouche Nintendo qui est ici. Je vais sortir et je vais la mettre dans ma chambre. Où est-ce qu'elle est ma chambre? Elle est là. Hop là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si je la mets là-dedans? Ok, un effet de flou. Ok, le père se réveille, je crois, et il va voir que j'ai volé son truc. J'aime bien qu'il ait fait une animation comme ça. J'ai rien compris. Ok, en fait on s'est fait choper, oui. On s'est fait choper, mais j'ai pas compris du coup. Bon, c'est pas grave. Ok, bon alors du coup, je vais racheter le briquet et je vais un petit peu essayer de faire cramer des trucs parce que ça me paraît bizarre qu'on peut pas foutre le feu avec le briquet. Parce qu'en premier jeu, on pouvait foutre le feu avec le briquet, alors ça me fait bizarre que je peux pas foutre le feu. Je peux pas genre mettre le feu quelque... Oh! Ah ben si, je peux faire foutre le feu là. Du coup, j'ai fait cramer la poubelle. Ça n'a pas servi à grand chose, mais bon... Je peux pas mourir dedans, moi je suis dans le feu, tout est normal, je vais très bien actuellement, je vois pas de quoi vous parlez, I'm fine. Ouais, mais par contre le mec, enfin c'est pas cool pour le mec qui bosse dedans, et le mec en a rien à foutre, il est toujours sur son bureau, il bouge pas. Vous n'êtes pas responsable des météorites qui pourraient tomber. Ouais, du coup c'est une fin ça? Ah, ils nous ont fait une cinématique. Et le mec, il en a rien à faire, quoi. C'est dingue à quel point il en a rien à foutre. Mais il dort ou juste il s'en fout, en fait. Ça n'a aucun sens. Ah, ça n'a aucun sens. Oh, ça n'a aucun sens. Oh, ok, d'accord. Bon, alors, on a vraiment foutu le feu et on était contents, d'accord. Et je crois qu'on est pas mal. Hein. 9 fails et 6 endings. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'ai tous les endings. Et là, je suis censé avoir 9 fails. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ben, ça y est, en fait, on a tout mis. Hein. Parce qu'il y a marqué 9 endings.
Enfin, 9 fails. Ben, j'ai les 9, du coup. Ben, du coup, on a fini le jeu. Eh ben, ça s'est passé assez rapidement. Sur ce, on va s'arrêter là avec ce skin de noob, mais d'une classe incroyable, avec cette casquette à l'envers. Donc on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. C'est un jeu très what the fuck comme d'habitude, mais j'aime bien moi ces jeux, je vais tous les faire. S'il y en a d'autres encore, ça c'est le troisième que je fais, mais je pense qu'il doit y en encore en avoir au moins 2 ou 3. Donc je les ferai parce que j'adore ces jeux où il y a plein de fins complètement stupides là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça cool. Alors c'était un peu bizarre comme d'habitude, mais c'était marrant. Mais celui-là était beaucoup plus simple que les deux précédents, je trouve. Donc sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Et ben voilà, salut à tous, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.